Faites attention quand vous allez retourner chez vous parce que c'est glissant. Fait que vous pouvez boire, mais laissez votre chum chauffer s'il est à jeune. OK? Avez-vous aimé votre fin de semaine du Metalfest? Ça vous tente-tu d'avoir un autre l'année prochaine? Faudrait crier fort pour nous aider à penser à l'année prochaine. Encore une fois, on s'excuse pour Clutch God Apocalypse. Ils sont très déçus de ne pas avoir été ici, mais c'est... Regarde, shit happened, tu sais. L'année prochaine! Mais on a eu Godly Throne qui a fait 2 sets en 2 soirs. Une bonne main d'applaudissement pour eux autres. Je voudrais remercier toutes les bandes. Je ne vais pas toutes les nommer, on en a 16. Mais toutes les bandes, le staff qui nous aide, tous les bénévoles, les soundmen, lightmen, tout le monde au kiosque, tout le monde qui nous a aidés, écoute, n'arrête pas les corps à dire. Fait que merci beaucoup. Puis là, je vais passer le micro au guitariste d'Orthodox. Ouais, moi, je dirais pas grand-chose, je prendrais même pas ma minute. Godard, ça a pas mal tout dit. Fait que je peux vous dire merci. Ça a pas été la meilleure année financière, mais faut être positif. Renverse pas ma bière, faut être positif. Donc on verra ce qu'on peut faire. Puis, si vous criez assez fort, êtes-vous capable de crier fort? Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous remercie énormément d'être venu à soir. Je vous passe à Annie un petit message. Ben là, je sais pas quoi dire de plus à part vider le bord, aidez-nous à tout passer qu'est-ce qui reste, puis ayez du fun pour le reste de la soirée, puis merci beaucoup. All right, on remercie chaleureusement les promoteurs du Trois-Rivières Metalfest qui vous organisent depuis 14 ans de fin de semaine de partée par année, c'est pas rien quand même. Mesdames et messieurs, le clou de la soirée est probablement une des plus grandes fiertés musicales au Québec. Un des bands dont nous avons l'honneur de recevoir pour une autre année au Trois-Rivières Metalfest, ce sont les rois du death metal progressif. Ils ont une énorme influence sur le death metal dans le monde. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Patrice Collin, Kevin et Luc Lemay, Gorguts!
There.